juste passé 2 mois après assassinat président République Jovenel Moïse, juge Gary Aurélien, ensemble avec quelques autres mounes, décidé font passer dans zone Pèlerin 5 côté yote assassiné président, yon manière puis yon capable tamen yon enquête puis yon ta jouen avis riverain sa yo sous ça qui t'est passé 7 juillet 2021. Secteur démocratique ak populaire la li même bon côté parle bayon conférence de presse côté yo mandé démission Léon Charles. Premier ministre Ariel Henry retire toute responsabilité qui te gagné dans le conseil électoral provisoire. C'est toute information ça ou ak divers lots qui pral faire essentiel actualité nous jodi a. Coucou tout le monde, bienvenue sur chaîne actualité nous en tac info plus avec zami nous Fabiola Jean-Chol. Encore une fois, nous comptons rentrer la caillou pour une autre rubrique information qui pral commencer dans quelques secondes. Ta douleur Haïti sera donc éternelle. Tes enfants continueront-ils donc de se battre? Chaque grain politicien actuellement là en Haïti a essayé pour t'aouer est-ce que t'a jeune une petite place. Et ça même qui gè pouvoir dans mais yo a essayé pour t'aouer est-ce que yo ka concentré plus pouvoir toujours ployer mettre en bas et celle yo comme si pouvoir qui en Haïti a c'est pas peuple là qui te bali. Eh bien immédiatement que pouvoir ça dans mais yo yo fait ça yo vle ensemble avec lui. Situation la plus compliquée de jour en jour. Situation la vigne plus délicate de jour en jour. Crise ça, c'est pas une crise qui gagne un seul, deux têtes encore. Crise ça, c'est une crise qui gagne plus passer 7 têtes et personne pas connaît qui j'en nous pral faire pour nous sortir dans crise si là. Dimanche qui saute passé là, s'il n'y a la faille, qui c'est un diacre, eh bien, yon arrivé retirer la ville pendant que l'étape rentré en dans l'église, dans rue de la Réunion, et yon kidnappé madame. Li. Mais ça n'a pas empêché tout de même que mes qui te pral fait là, yon te continue faire malgré que corps s'il n'y a la faille lui-même, li te toujours devant l'église là. Nan condoléances à Duperrier, dernière phrase la dit, vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Est-ce que en Haïti, c'est ça bon Dieu voulait pour nous? Ou du moins en Haïti, nous pouvons connaître qui ça bon Dieu voulait pour nous, qui fait nous pouvons capables en repos toujours. Donc nous avons remarqué qui genre situation en lui-même est compliquée. Petit diacre là, maman lui a kidnappé, rele ravisseur, yo tant pris, libérer maman. Parce que nous avons des difficultés pour nous manger. Comment nous pouvons faire payer une telle somme d'argent pour nous arriver à libérer maman? Qui donc, mais qui gens, n'a vivent actuellement là en pays d'Haïti, pendant que les gens qui ont pouvoir eux-mêmes, ils continuent à faire des bout de chemin paisiblement, comme si de rien n'était. C'était démocratique et populaire, là, nous rappelons bien. Qui t'a vanté tête yo dès que yo te fait premier ministre Ariel Henry révoqué ministre justice là Rockefeller Vincent yo te clamé victoire ça sur tous les trois yo même yo te fait un bien kounya là secteur démocratique ak populaire là a mandé premier ministre Ariel Henry pour lui révoquer Léon Charles comme étant directeur général dans tête la police là puisque selon eux même c'est Léon Charles qui s'est tiré cause kidnapping et insécurité ça qui commençait vraiment fait haïtien trop mal et puis devant yo fait connait que yo gétan régler cause prisonnier politique. En bon de mettre André Michel qui c'est porte-parole secteur démocratique et populaire là et puis n'a tourné. Bon, j'en confirme mieux dit déjà maître Anel Rémy maître des honneurs et conférence de presse, ça, son conférence de presse qui est consacrée au dossier des prisonniers politiques. Et nous n'avons pas été capables de pas dire deux mots sous climat d'insécurité qui a crasé le pays. Et rapidement, on doit faire la démarcation. C'est le citoyen qui est là, l'avocat qui est là. C'est pas. C'est forte parole du secteur démocratique et populaire. Et d'abord, la question insécurité a nous constaté qu'on remontait du climat d'insécurité à Port-au-Prince, qu'on remontait des actes de kidnapping à Port-au-Prince. Et nous tous nous connaissons que notre pays, Haïti, a été gangstérisé pendant les 10 dernières années.
PHTKiste, Jovenel-liste. Yo tout marqué Jovenel Moïse, la politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les 10 dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utiliser gang yo pour prendre contrôle quartier populaire. Nous tous comprenons, c'est Jovenel qui défait Genève. Bon, on va parler mal des gens qui mourent, mais il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire que ça, ça n'a vivre là aujourd'hui, hein, qui est la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe PHTK et alliés. Et aujourd'hui, nous demandons que des changements puissent se réaliser au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et pour son PAM comme citoyen, pour nous comme citoyens, pour nous comme avocats, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre public. On n'a aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup j'aime rencontrer un jour dans la vie. On n'a pas un problème personnel avec lui. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps, depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité. Il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse n'est pas qu'à protéger. Et depuis le sang, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles n'a pas protégé Jovenel Moïse, il n'est pas moins aimé avec vous, il va le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, Premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2011-2021 pour une gouvernance apaisée dit très clairement qu'il faut gagner de changements, il faut gagner trois lettres, il faut gagner un coup de balai qui est fait au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti, que vous prenez responsabilité. Nous condamnons ça à passer, hein, parce que le pays a pris en otage et des groupes criminels qui ont toujours été et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui continue de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre et me dire nos bagailles. Puis gros mal qui est arrivé au pays d'Haïti, c'est si c'est même Mounsaïo qui vient reprendre le pouvoir encore. Ça veut dire si qu'on y a. Il y a une prochaine élection qui a bien pour faire. Si le pays a 1000 chefs gang, 1000 assassins, 1000 criminels, la multiplier par 100 et la dîner a bien 100 000. Voilà la responsabilité de la population. En ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques, et nous tous nous connaissons, M. Arnel Rémy-Til, M. Maisonneur, Soutil, il y avait des obstacles sur le chemin de la libération des prisonniers politiques. Malgré tout effort, M. Maisonneuve fait, M. Anel Léon fait. Malgré tout effort, M. Caleb Jean-Baptiste fait. Malgré tout effort, M. Camille Leblanc fait, M. Palvin, tout l'autre avocat fait, il n'y a pas jamais capable de libérer prisonniers politiques. Parce que quand vous intentez une action en habeas corpus, la Constitution dit très clairement que le doyen décide sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Automatiquement, le commissaire du gouvernement parvenu, ça veut dire actionnant par aucune chance pour l'aboutir. Et c'est ce qui s'est passé avec les différents dossiers, quitte ces dossiers à Belson Bonnet, quitte ces dossiers à Anel Belize, qui lit Babas, dossier Enalcou 3, etc. On n'a pas pu obtenir les résultats escomptés parce qu'il y avait des obstacles. Claude Bedford était là au parquet de Port-au-Prince. Félix Vincent était là comme ministre de la Justice. Avec l'accord que nous avons signé, nous disons que les obstacles politiques, en principe, ont été levés. Et demain, le dossier Coudroit, le dossier Abelson Bonnec, il a passé devant Bernard Saint-Ville. Et je demande à M. Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'assumer ses responsabilités. De comprendre qu'il sait Rinal Coudroit, ce policier qui a été arrêté injustement, illégalement, qu'il s'est à Belson Brunet, ce sont des prisonniers politiques. Il est venu le temps de les mettre en liberté. Et la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faciliter l'évacuation des dossiers des différents prisonniers politiques. Il y a aussi une interdiction de départ qui a été prise par Jovenel Moïse contre Maître Joseph Messène Jean-Louis,
le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Ce dossier sera plaidé par devant le doyen d'ici mercredi. Là encore, le doyen pourra assumer ses responsabilités. Que dossier prisonnier politique qui n'a pas d'appel, Anel Bélissère, Kilig, Joannel Paul et Gary Philemon et consorts, dossier ça n'a pas avancé avec lui. À tout seigneur, tout honneur. Qui donc, secteur démocratique là lui-même, il fait connaître que c'est PHTK qui continue à faire kidnapping en dans pays d'Haïti. Alors que un membre Matrice Libération, ancien sénateur l'Ouest là, Antonio Cherami, dit Don Kato lui-même, il senti révolté par rapport ensemble avec tout ça qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti. Don Kato qui était sous un forum, pas hésité casser mette nan main, casser mette nan bol chaque grand politicien sans que li pa retire tête li pour situation ça que pays d'Haïti li même li a confronté. Selon Don Kato, c'est Jovenel Isio qui en face PHT Kistio qui fait normalement là, eh bien situation insécurité a li vin a augmenter beaucoup pi plus parce que Jean li ta supposé augmenter déjà. Qui donc nous a remarqué qui Jean Bagayo même y a continué fait en dans pays d'Haïti. Don Kato lui-même qui te fait connaître que les papes signé accord politique premier ministre Ariel Henry a plutôt a signé accord Montana. Insécurité a fait rage. Moun a mouri, y a kidnappé moun. Mais c'est accord sous accord qui a signé. C'est accord sous accord qui a joint vie en dans pays d'Haïti alors que vie petite pays d'Haïti yo même yo a terni, yo a mouri, yo a péri. C'est ça qui fait que on paquet nan compatriotes nous pito al passé misère sous route. Passé 2 à 3 mois sous route, yo manière pi yo kawe si elle tombe sur une terre qui va ba yo l'espoir. Si elle tombe sur une terre qui ka offri yo yon demain meilleur et permettre famille yo qui rete en Haïti tout vive yon demain qui pi meilleur. Qui donc c'est tout côté haïtien après humiliation ensemble avec cause qui te pays parti ça. République Dominicaine ou apprendre, Bahamas ou apprendre, Porto Rico ou apprendre, Panama ou apprendre, les États-Unis ou apprendre, pa gen koto passé ou pa prendre. Puisque ou pas rentrer légalement dans le pays yo, ou rentrer illégalement et ou pas même bay vraie raison qu'il faut rentrer illégalement. Gen plus passé 12 400 haïtiens qui libre selon les dires dans Texas, mais pas gen liberté vrai puisque moun sa yo même yo genye yon montre électronique dans pied yo qui ba yo yon paquet restriction qui donc c'est comme si yo te meto en prison, mon pat en prison vrai. Vous comprenez ça me dit ya? Nous kon gade un paquet de film côté les yo mette un criminel notoire en prison et puis yo mette yon chaîne ou bien yon montre électronique dans pied yo manière pour li pas dépasser limite. Eh bien, c'est comme ça que frère Axel nou yo a vivre actuellement là aux États-Unis le temps que administration Biden Harris là et bien tant de moun sa ou devant un juge immigration ça qui pral permettre yo jeune possibilité rester ou non aux États-Unis. Mais dans qui pays, dans qui situation n'a vive? Mais qui sa pays a lui-même li offre jeune? Puisque en Haïti, nous avons même des capacités pour nous dormir, voir pour nous arriver rêver, et mais nous obligés à chercher rêve là, à chercher sommet là, dans l'autre pays, malgré humiliation, malgré misère, malgré souffrance que nous connaissons, nous pral passer sous. Premier ministre Ariel Henry lui-même, pas de cas présent dans 76e Assemblée générale que Nations Unies lui-même a fait. Claude Joseph, qui est ministre Affaires étrangères, lui-même, bon côté parle, il était présent. Nous faisons retour sur ça, c'est parce que Premier ministre Barbadla lui-même, lui fait une déclaration qui est assez intéressante. Nous tout là, te suivre discours après enregistré que Premier ministre Ariel Henry lui-même, lui te baille dans date si là, côté lui t'a félicité les Américains, côté lui t'a parlé qui gens que lui-même lui paraît pour lui faire ceci. Pour lui faire cela, mais côté tout, Premier ministre Ariel Henry, pas de jambe ouvrir bouche li pour lui défendre
peuple haïtien li pa diam ouvri bouche li pou li te expose ki problème que peuple haïtien lui-même li a confronté. Contrairement ensemble avec premier ministre Ariel Henry, Mia Mottley qui c'est premier ministre pays Barbade te pointé du doigt ONU ensemble avec tout l'autre pays riche. Li te fait konnen si nous avons possibilité à capacité pour nous résoudre des problèmes mais qui vraiment complexes tant que voyez moun sous la ligne mais tout nous capable de possibilité pour nous régler des problèmes qui tant que yon grain de sable tant que la faim pauvreté dans le monde l'été aller pour l'été pencher sous ka pays d'Haïti à côté l'été fait qu'on est abandonner nous, abandonner pays d'Haïti, qui à la fois victime d'une catastrophe naturelle avec une crise politique, c'est une nan pi gros mal que nous sommes capables de faire pays si là, un pays qui prend indépendance et qui permet l'autre pays et aider au goût tout pour prendre indépendance. Nous sommes capables de voir les gens sous la lune, mais nous pas capables d'éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde. C'est des quantités de dollars, des millions et des milliers de dollars qui dépensés pour nous faire expérience, pour nous avoir dans l'espace ou bien dans la lune. Luis Abinadel, président de la République dominicaine, tout, te défend Haïti. Panama, Porto Rico, yo défend Haïti, alors que premier ministre Ariel Henry lui-même, li ta fait un jan pour l'Itaoué, est-ce que l'a capable toujours gain pouvoir et kembe pouvoir sous l'érigie des États-Unis, puisque sans les États-Unis, ou pas qu'à diriger en dans le pays d'Haïti. C'est pays Argentine qui a offert nous aide, li. C'est Porto Rico, Panama, République Dominicaine qui a offert nous aide, li. Parce que yo wè que nous avons une situation qui est vraiment difficile et que nous pas capable de sortir la donne. Premier ministre Ariel Henry lui-même, qui c'est chef absolu en de pays d'Haïti, décide de renvoyer conseil électoral provisoire, ça, qui a été nommé en 2020 par un décret qui a été mis en organiser référendum constitutionnel avec élection en de pays d'Haïti. Il y a un paquet de matériel qui a commencé à rentrer déjà, enregistrement parti politique qui a fait déjà, et aussi date élection à calendrier électoral qui a été sorti. Mais c'est bien dommage que le Premier ministre Ariel Henry lui-même ait décidé de renvoyer le conseil électoral provisoire aussi là. Côté ça qui va venir à former normalement de 5 secteurs qui a représenté le pays d'Haïti, tant que la presse, religion, organisation femme, ensemble avec deux autres secteurs encore qui pral gagner pour représenter normalement pays d'Haïti. USAID mettait à disposition de pays d'Haïti une enveloppe de 5,52 millions de dollars, une manière pour capable aider et porter aide ensemble avec migrants sayo qui dans une situation qui vraiment difficile côté yo obligé à subir des mauvais traitements de la part des États-Unis. C'est toute information ça aucun te porter pour aujourd'hui hein. Merci d'être que son ami fidèle tac info plus. Merci d'être que continuer like, commenter, partager et merci d'être que continuer à inviter en famille ak yon zami ou rete connecté avec chaîne ça pour ka gen bon information. Nous ba rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Pas oublier veiller côté n'a mettre pied nous, protéger tête nous et surtout restez bénis. Bye bye.